Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars, la chaîne du Japap et du Bérep. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit, nous sommes là, non? Nous, les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos sur Mu et Du, oui. C'est chaud, le challenge Djadjarija, ou c'est Djadjarija, ou c'est Djadjarija, ou c'est quoi? Dis donc, bon, le challenge, ça continue, mon frère. Jana Bouli et Rosine ont revivé ça, voilà, maintenant, sur le tour de Fatou. Il y a de temps, les gens réclament à Kimier de faire. Kimier a dit que c'est pour les riches. Hein? Il ne sait pas où. C'était un moyen de dire qu'elle n'a pas l'argent pour gaspiller ou elle est incapable de compétir avec ceux-là. Hein? On va savoir que c'est quoi. Hein? Bon. Fatou a relevé le défi. Et Fatou vient d'avoir 2 700 000 abonnés. Aïe! La fille a augmenté les abonnés. C'est manqué. Aïe, 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 aïe. Quand moi j'augmente ma part de 5, 5, 10, 10. Fatou, elle augmente seulement de 100, 100 000. Ouais, okay. Fatou, Ndiaye. Fatou a dead le challenge. Regardez les images. Elle a dead le challenge, là, les amis. Donc, Fatou, vous savez que le combat était d'abord entre Rosine et Diana Bouli. Moi, j'ai dit que je préfère. Moi, c'est Diana Bouli qui avait gagné. Pourquoi? Diana Bouli avait mélangé la... Elle est sensuelle. Plus sensuelle, tu sens que non. Elle maîtrise plus sa danse que Rosine. Ça se voit. Elle est sensuelle dans ses mouvements, dans ses trucs. Et on sent que son truc, le challenge, son truc. Rosine, par contre, de son côté, elle était originale. Très originale, oui. Elle met les trucs, elle a fait un peu les drapeaux africains, là, vous comprenez un peu les gens. Ça a captivé les gens. Elle dit non, wow. Maintenant, alors, Fatou est venu mélanger les deux. Donc, Fatou, pour moi, c'est le mélange de Rosine et Diana Bouli. La sensualité de Diana Bouli, Fatou a représenté ça. Fatou a parlé, donc c'est comme si elle parlait, donc c'est son âme. Donc, Fatou, c'est comme si donc elle transmettait ce qu'elle voulait vous exprimer. Vous comprenez un peu. Tous ces gestes étaient que non, ça te transmet quelque chose. Millimétré, donc tout est pensé. Hey, il ne savait pas que la fille avait le talent comme ça. Hein? Il ne savait pas. Moi, elle n'est jamais vu comme une bonne challenger. Non. Donc, elle a alors mélangé la sensualité de Diana Bouli et l'originalité de Rosine. Elle a représenté les pays. Drapeau, ceci, c'est monté. Et puis la danse sénégalaise et tout, la tradition dans la, comme la tradition sénégalaise là dedans et tout de bon, de l'Afrique de l'Ouest en général. Non, non, tu as fait fort Fatou, tu as fait fort. Je suis en train de se mettre sur la section de commentaires, mais tout le monde se met là. Les seuls mauvais commentaires, c'est les gens qui disent que le drapeau n'est pas sorti là-bas. L'autre dit que le drapeau du Congo n'est pas sorti, donc il ne va pas liker. Aïe, yeah, vous aussi, yeah. Yeah. Elle devait mettre 50. C'est combien de pays qu'on a en Afrique? 52 ou 53? Elle devait mettre 53 drapeaux. Et la famille. Ouais. Ne soyons pas comme ça. Mais en tout ce que là, la fille a déjà à dette. En une heure et poussée, elle a déjà plus de 100 000 likes. Oui. Plus de 100 000 likes. Oui. Peut-être c'est le challenge qui a propulsé sa part encore arrivé là maintenant. Elle a une fois donné les 2 millions 7 là. Elle est en train de chercher les trucs. Je vous ai dit qu'elle cherche les 3 millions là avec la torche. Oui, oui. Oui, avec la torche. Et en passant, Diana Bouli, de l'autre côté, elle a aussi augmenté les abonnés. Oui, son challenge a fait, elle a augmenté. Oui, bien même. Oui. Donc, vous savez d'ailleurs le secret. Le secret pour augmenter les abonnés. Faites le challenge de Djadjarija. Vous allez voir. Au moins, vous allez avoir au moins 100 000 abonnés qui vont entrer là. Faites le challenge seulement. Postez. Vous allez voir. Non, moi, j'ai apprécié Fatou. Non, c'est bien ça. Elle a travaillé. Non. Aka, Fatou. Pourtant, hier, elle a posté l'essai. Hein, donc, les petits trucs. Je me suis dit qu'elle tentait ses maps. C'est les essais qu'elle faisait. Les petits trucs là, comme Diana Bouli testait là. Ça a eu plus de 1 500 000 vues. Oui. Ah, oh, Fatou. Fatou, maintenant ceci, en une heure poussée, elle a déjà 500 combien de mille de vues et plus de 100 000 likes. Donc, pour vous montrer que la plupart des personnes qui voient, like. Tout, oui,
Si tu as 500 000 vues et 100 000 likes, ça veut dire que 100 000 personnes entre les 500 000 ont liké. Oui, le pourcentage est très bien. Donc, 20% des personnes qui ont vu ça ont liké. Oui, c'est un pourcentage très haut. Ah, bravo Fatou. Très bien ça. Bravo, bravo, bravo. Ça va aller, hein? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hein? En tout cas, hein, la famille, moi, je ne sais pas. Vous avez vous-même dit qui est la gagnante actuellement. Moi, je trouve que moi, mon classement, c'est Fatou. En plus, qu'elle a une beauté, c'est sublime. Fait Fatou, Diana Bouli, après Rosine, en troisième position. C'est ça mon classement. Ouais, chacun va faire son classement. Hein. Ouais, j'ai mes raisons. Je vous ai expliqué mes raisons là. On va dire que, oh, parce que tu aimes trop Fatou. Non, non, non. Fatou, non. Elle a fait le challenge avec son âme seulement. Oui. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la famille. Hein? Bisous et à sa prompte. Et surtout, ne mettez pas les organes. C'est pas bien.